Attendu à 10h, c'est finalement à midi 20 minutes que la délégation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est arrivée au siège du parti PADES ce lundi 19 septembre. L'objectif de cette visite est connu de tous. La délégation est venue collecter des données et évaluer le parti PADES. L'air heureux de recevoir les émissaires du ministre Mori Kondé, le président du PADES, le docteur Ousmane Kaba, a présenté plusieurs documents. Je crois que c'est l'évaluation des partis politiques, tel que ça avait été annoncé par le ministre de l'administration du territoire il y a déjà quelques temps. Et c'est cette évaluation qui a été conduite aujourd'hui et elle a dû être commencée par le PADES. Donc il y a des questions sur l'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire national et aussi à l'étranger. Il y a des questions sur les modes de décision à l'intérieur des partis politiques. Et voilà, ce sont à mon avis des questions normales. Et je pense que ce sont les prochaines élections qui vont vraiment montrer l'importance de l'implantation d'un parti. Voilà. Et soyez patients, aux prochaines élections nationales, on verra bien ce que chaque parti vaut après la recomposition politique qui a lieu aujourd'hui et ce qui est indispensable. Hein. Et c'est évident qu'il y a une recomposition politique. Après des grands événements que nous avons connus ici en Guinée, la cartographie politique est en train de changer dramatiquement. Ce sont plusieurs groupes composés des cadres de la direction chargée des élections au département de l'administration du territoire et de la décentralisation qui vont sillonner les QG de tous les partis politiques agréés en République de Guinée.